Voilà, dans cette vidéo, on va s'intéresser à une discipline dans les études supérieures. Il s'agit de la cristallographie. C'est une science qui étudie la structure de la matière dans son état subatomique ou dans son état quantique. La matière a été classée en 14 réseaux, dit les réseaux de Bravais, les réseaux de Monsieur Bravais. Voilà comment ça s'écrit. Les réseaux de Bravais. De la manière suivante. On va partir de la plus simple à la plus complexe. La structure la plus simple, c'est la structure cubique. Il s'agit donc d'une substance ayant la structure d'un cube. Les trois côtés A, B, C, c'est-à-dire X, Y, Z, dans ce cas, sont égaux. Les trois côtés ont la même longueur, c'est un cube. Donc A égale B égale C. Il y a trois côtés, parce qu'il y a trois dimensions toujours, et trois angles. L'angle alpha égale l'angle bêta, et l'angle égale l'angle gamma égale 90 degrés, bien pi sur 2. Donc, si vous avez A égale B égale C, il y a trois angles égaux à pi sur 2, chacun bien sûr, il s'agit de la structure dite cubique. Voilà, les atomes logent au sommet du cube. Le cube, il vit à l'intérieur. On dit que c'est le modèle primitif, c'est P primitif. Si vous avez un atome au centre de gravité du cube, bien sûr, plus les 8 qui se trouvent au sommet, on dit qu'il s'agit d'un cubique centré. C'est-à-dire, même le centre, il est rempli. Il contient un atome, comme l'indique la figure. Si vous avez les faces aussi logées, en plus des sommets, on dit qu'il s'agit de la structure cubique à face centrée, CFC. C'est-à-dire, même les centres des faces contiennent des atomes. Donc, pour le cube, il y a trois modes. Le mode primitif, le cube est vide. Le mode cubique centré, le centre de gravité, il contient un atome. Le cubique face centrée, en plus des 8 qui se trouvent au sommet, il y a 6 atomes qui logent chacun dans l'une des faces. Le cube présente 6 faces. Donc, pour le cubique, il y a 3 modes. Primitif, cubique centré, cubique face centrée. C'est très simple. Je passe au deuxième réseau de Bravais. C'est la structure dite rhomboédrique. RH, rhomboédrique. Il s'agit de quoi en fait? C'est un cube déformé. Je prends un cube et je le déforme. Les trois côtés présentent toujours la même longueur. Donc A égale B égale C reste invariable. Mais les angles deviennent différents. Alpha, différent de bêta, différent de gamma, différent de 90 degrés. C'est-à-dire pi sur 2. Voilà, c'est un cube déformé. C'est ça, la structure rhomboédrique. C'est un cube, mais qui a perdu ses trois angles droits. C'est la structure rhomboédrique. Il existe de la matière présentant cette structure. Je passe à la troisième structure, au troisième réseau de Bravais. Il est très important. Il tombe plus souvent dans les concours et dans les examens. C'est la structure dite hexagonale. C'est le réseau hexagonal. Il s'agit d'un hexagone. Il s'agit d'un hexagone, comme l'indique la figure ici. Voici une structure hexagonale que l'on va étudier dans la vidéo qui va venir par la suite. Et je passe. Quelles sont les caractéristiques de telle structure? A égale B, différent de C. L'angle alpha égale l'angle bêta égale pi sur 2, mais gamma, c'est 120. Regardez ce schéma. Il est général. Donc, l'angle gamma, il est opposé à C.
L'angle bêta, il est opposé à B. L'angle alpha, il est opposé à A. C'est un moyen pour apprendre la nomenclature des angles. Toujours l'alpha, il est opposé à A. C'est universel. Toujours l'angle bêta est opposé au côté B. Toujours l'angle gamma est opposé au côté C. Voici la structure cristalline. Regardez, gamma c'est 120. Voilà ici. L'angle bêta c'est 90. Il est égal à l'angle alpha. La longueur de A est la même que celle de B. Et toutes les deux, c'est de longueur. Elles diffèrent de la longueur de C. C'est la structure hexagonale. Il faut retenir ça par cœur. C'est très important. Et je passe à l'autre réseau de Bravais. Il s'agit de réseau quadratique. Le réseau quadratique. Qu'est-ce que c'est que le réseau quadratique? Ce n'est autre que le réseau cubique qui a allongé sa longueur C. A égale B, différent de C. Et les trois angles restent égaux à 90. Regardez, c'est un cube qui a allongé son côté C et a conservé les deux A égale B et les mêmes angles. Les angles restent droits. Elle est dite structure quadratique ou réseau quadratique. Voilà, et je continue. Je passe à l'autre réseau. Il s'appelle orthorhombique. Regardez l'orthographe. Orthorhombique. Deux H. Orthorhombique. Il contient quatre modes. Ce n'est pas très important. Je vais vous donner un modèle. Une petite représentation métaphorique. C'est comme une boîte d'allumettes. Donc, si vous avez une boîte d'allumettes, c'est la structure orthorhombique. A différent de B, différent de C. Et les trois angles valent pi sur 2. Donc, si vous avez le réseau ou la structure orthorhombique, pensez à une boîte d'allumettes. Et je passe à l'autre réseau. Il s'appelle le réseau monoclinique. Il contient deux modes, ce n'est pas important. Monoclinique. Les trois côtés sont différents, ils n'ont pas la même longueur, mais les deux angles A, alpha et gamma, restent rectangles, bêta, différent de 90 degrés. C'est le monoclinique. Voici une représentation qui simplifie cette situation. Et le dernier, c'est le triclinique, c'est le plus déformé. C'est la structure qui a les trois côtés différents et les trois angles différents. A différent de B, différent de C, alpha différent de bêta, différent de gamma, différent de pi sur 2. Voici le réseau de Bravais. Vous allez trouver dans les livres ou dans les sites, il s'agit de 14. Et si vous comptez ici, vous n'allez pas trouver 14 parce qu'il faut compter les modes. Ici, il y a trois modes. Il y a 1, ça fait 4, 5, 6. Là, il y a 4, ça fait 10. Là, il y a 2, ça fait 12. Et là, il contient 2. Donc, pourquoi je ne les ai pas mentionnés? Parce que ce n'est pas très important. Ça y est? Donc, voilà le réseau de Bravais. Insistez bien sur la structure hexagonale. Elle tombe le plus souvent dans les examens. Voilà pour cette vidéo.